وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Aujourd'hui, on est le 29 Sha'ban. C'est la nuit du doute. Comment le musulman doit se comporter dans cette nuit-là? S'il y a des instances musulmanes qui ont pris la responsabilité de décider pour les musulmans de l'entrée et de la fin du mois, alors tant qu'ils ne suivent pas les calculs astronomiques, on les écoute. C'est-à-dire tant qu'ils suivent la vision. D'ailleurs, il y a eu un communiqué apparemment du CFCM qu'ils ne suivront pas les calculs astronomiques. Donc s'ils se tiennent à cela et qu'ils suivent la vision d'un pays musulman qui a vu le nouveau Hilal plutôt, ou bien qu'en France des gens ont vu le croissant de lune et qu'ils annoncent l'entrée du mois de Ramadan, on suivra comme ça, on sera unis, Inch'Allah, derrière une parole qui est acceptable. Par contre, s'ils annoncent l'entrée du mois par rapport au calcul astronomique, alors il est interdit de leur obéir et de les suivre. Et dans ce cas-là, on suivra le premier pays musulman qui a vu le nouveau Hilal entrer, alors on jeûnera avec eux.